Ouverte en 2014 sur le boulevard Paoli, cette boutique emploie 8 personnes. Pour monter son projet commercial en franchise, Janine Cavagna-Thiers tenait à s'installer en plein centre-ville, un choix dont elle se félicite. Même si l'année dernière, on a eu quand même une petite baisse de fréquentation en centre-ville, c'est le fait de voir venir et revenir nos clientes et puis accueillir également de nouvelles clientes qui me fait dire que c'était un bon choix. Quelle est l'attractivité commerciale de Bastia ? Pour le savoir, la ville a commandé une étude. Elle révèle que le stationnement fait partie des freins à la venue des usagers, mais aussi que la ville plaît. Confirmation dans la rue. Pour se garer, le stationnement, impossible, c'est pour ça qu'on ne vient pas. C'est un peu cher, ça veut le dire, mais c'est de beaux magasins, ils sont bien remplis, les gens sont agréables. Le centre-ville est sympa, bon, manque un peu d'animation, surtout en période de fête. L'étude présentée ce matin pointe aussi l'inadéquation des horaires d'ouverture et l'évolution de la concurrence. 62% des commerçants se sentent menacés par les centres commerciaux, 51% par Internet. On entend dire que Bastia est une ville qui finalement n'est pas forcément dynamique, que le centre-ville souffre. Alors bien évidemment, il n'est pas question de tordre le cou complètement à cette idée-là. Il y a effectivement des difficultés, mais on se rend compte qu'il y a quand même un dynamisme puisqu'il y a un solde positif entre les entreprises qui ferment et celles qui ouvrent. Autre point positif, le diagnostic financier. 2 commerçants Bastiais sur 3 estiment leur chiffre d'affaires stable ou en hausse depuis 5 ans.